commission d'enquête, enfin, quelles seront les prérogatives de cette commission d'enquête, qui va la composer, par qui elle sera nommée, parce que finalement, le Conseil constitutionnel a reconnu le résultat des urnes. C'est une première question. La deuxième question, par rapport à la manipulation du fichier électoral que vous dénoncez, dans l'épisode tout à l'heure, vous montrez que vous avez suivi un petit peu l'inscription sur le fichier électoral à partir du 6 juin. Je voulais savoir si avant le 18, vous aviez des doutes concernant la manipulation de ces listes, et si vous aviez des doutes, pourquoi être allé au scrutin du 18 juillet. Pourquoi je vais répondre au problème de la commission. Et je voudrais quand même dire, que parmi les questions que nous avons posées, certaines sont très simples et pouvaient recevoir des réponses simples et rapides. Le recomptage des bulletins, c'est assez facile à faire et ça aurait été fait assez vite. La question également du fichier électoral, il aurait pu être examiné, ne serait-ce que par sondage, pour voir s'il y a du patrouillage ou non. Et troisièmement, l'examen technique de la carte du bulletin de vote. Nous avons posé ces questions simples, décisives, et personne n'a écouté ça. Je rappelle quand même que M. Bush, lorsqu'il avait été élu, que ça avait duré longtemps, si je me souviens bien, dans un des États de l'Union, et qu'il y a eu un comptage et le comptage des bulletins pour s'assurer finalement d'une décision consensuelle, si d'abord des chiffres. Nous, non seulement le recomptage n'a pas eu lieu, mais on a écarté ça des revers de la main. Comme l'a dit le président de Sol, cette commission, nous posons le principe parce que nous cherchons des solutions. Nous ne voulons pas installer ce pays dans le chaos. Nous faisons des propositions constructives. Nous posons le principe d'une commission neutre, crédible, qui puisse nous aider à régler, à trouver des solutions aux problèmes posés. Monsieur le Président, monsieur l'a dit, que l'on peut être fait constitué avec des personnalités nationales, des personnalités, je veux dire, des citoyens, acceptables consensuellement par les différentes parties. Elle pourrait être, comme il l'a dit, constituée de personnalités étrangères acceptables par toutes les parties. Elle pourrait être panachée avec des personnalités étrangères et des citoyens de ce pays. Autrement dit, nous sommes très flexibles sur la condition de cette commission, mais nous paraît être une proposition constructive, utile pour pouvoir dégager la vérité. Nous cherchons la vérité. Cette commission pourrait montrer que nous avons raison, et dans cette hypothèse-là, nous demanderons que soient tirées les conclusions et les conséquences de ce résultat positif, mais nous admettons aussi l'hypothèse que les résultats peuvent être négatifs, et nous serons les premiers à en tirer les conséquences logiques. Autrement dit, tout est dans la volonté politique de ceux qui ont pris le pouvoir. S'ils veulent qu'une solution juste et équitable et consensuelle puisse être dégagée, nous sommes prêts pour cela et nous leur avons fait une proposition et nous sommes d'ailleurs prêts à écouter leurs propositions. Maintenant, s'ils veulent s'installer dans une situation de crise durable, c'est leur responsabilité. Mais c'est une lourde responsabilité qu'ils assumeraient s'ils étaient sourds à nos propositions et à nos plaies.